Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue ce soir pour cette soirée en live. Ce soir, on va faire du Elite Dangerous. On va faire du commerce avec RP Steamy au moins, d'après ce que j'ai compris. Bonsoir à vous, bonsoir, c'est pas du tout le bon planning. Attendez, je vous change ça, je vous remets le bon planning suite cette semaine. Hop, voilà, ça va être mieux. Bonsoir Gauthier, bonsoir RP, bonsoir Santis, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, du coup, premier live de la semaine, ce soir on va faire du Elite Dangerous, on va faire du commerce avec le cutter et en escadrille. Du coup, RP, je sais plus si on est amis sur le jeu, mais sinon il va falloir que tu me demandes un ami et que je puisse t'envoyer une demande pour rejoindre mon groupe privé, ce sera plus simple. Jeudi, on fera du The Forest, on est amis, cool. On fera du The Forest en multijoueur, donc avec Keto, Void et Jikouille. On va continuer ce qu'on a commencé la semaine dernière. On va commencer par refaire tout ce qu'on a perdu sur la dernière heure. Je vous invite à aller voir le clip si vous ne l'avez pas vu. Et vendredi, on va s'amuser un petit peu avec Not For Broadcast, l'épisode 2, qui sort jeudi soir. Alors, vu ma connexion, je ne pourrais pas le faire jeudi soir, mais on le fera du coup vendredi soir à la place. Et on fera notre première run dessus avec la première sauvegarde. La semaine d'après, sans doute, on fera. Ou la semaine d'encore après, parce que la semaine d'après, je ne serai pas beaucoup là. J'ai un déplacement pro. La semaine d'encore après, on fera sans doute la seconde run avec la deuxième sauvegarde et des choix différents, histoire de voir un petit peu les choses. Allez, c'est parti, on passe sur le jeu. Hop là. Vous continuez une autre timeline, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça, on va continuer une autre timeline. Voilà, donc la webcam a changé de place. J'aime beaucoup cette webcam comme ça, donc je pense que je vais la garder. Allez, on va commencer du coup par aller à Euribia. Je sais pas du tout à combien de sauts je suis. Je crois que je suis chez l'ingénieur. Ah, alors déjà je peux pas y aller en une fois. Bon, on trouvera du carburant sur la route. Ok, je fais quoi dans la vie? Alors dans la vie, j'ai changé de métier il y a pas longtemps. Enfin, de métier, j'ai évolué dans mon entreprise, donc maintenant je suis responsable de formation. Donc je m'assure que je m'occupe d'organiser les formations, d'en animer et de faire toute la partie administrative des formations pour mon entreprise. Alors, il va falloir que je trouve par contre, il y a une station pour ravitailler au milieu. Et voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube. C'est quand on m'a dit un jour, bah tiens, toi tu vas animer des formations. Je me suis dit, oula, alors moi parler en public, non merci. Et du coup, pour apprendre, j'ai commencé ma chaîne YouTube pour apprendre à parler comme ça sans problème. Faut l'appeler prof maintenant. Alors non, on va éviter. Tu peux rejoindre mon Discord RP si tu veux d'ailleurs. Normalement, je suis dessus. Ah, je vous ai pas mis Discord au fait. Ah, attendez, bon, pendant qu'on va sortir de ça, je vais vous mettre le Discord. J'ai complètement oublié de le faire. Le stream kit, il est où? C'est pas grave, sauf qu'on sort de l'orbite de la planète, ça va prendre un petit peu de temps. Voice, on va se mettre sur le mien, pop-up, sélection élite. Hop, hop. Et j'ai le Discord ici. Tac. Voilà, le Discord est mis pour quand les autres vont rejoindre. On est amis, mais j'ai pas ton groupe. Ok, je vais te faire une invite, c'est pas grave ça. Oula, traite. Ah oui, ah, c'est John Shepard, toi, il me semble, hein. Forcément, hein, du coup, j'ai une connexion pas terrible, donc voilà. Mais si tu peux nous commencer à nous trouver des missions d'escadrille, fais-toi plaisir. Bien, j'espère que vous allez bien, sinon. Discord. Non, j'ai pas de commande en fait. C'est une des commandes qu'il faudrait que je crée le Discord. C'est vrai. Tu vas regarder, je fais un peu de répute, pas de problème. Je crois que j'ai plus de mission. Ou si, j'en ai peut-être une que j'ai pas terminée. Ah ouais, du coup, j'ai dû choper.
Ouais, j'ai dû choper une truc, parce que j'ai dû oublier de finir une mission, j'ai pas le temps. Ah, du coup, avec cette caméra, c'est bien, c'est que vous avez une vue un petit peu sur une partie de mon OTAS. Je vais mettre juste un tout petit peu plus haute, qu'elle soit à peu près centrée sur l'écran. Désolé, hein, je fais mes réglages en direct. Hop, je vais me mettre là, ce sera nickel. Tac, voilà, on est prêt. Parce que du coup là ce soir RP j'étais pas connecté aujourd'hui parce que j'avais eu beaucoup de boulot. Bah j'ai pas eu le temps de préparer des missions comme ce que j'avais fait sur les précédents lives. Donc si t'as des missions d'escadrille, bah n'hésite pas à en prendre idéalement dès qu'ils rapportent plus de 30 millions chacun. Il va falloir que je sorte mon fichier Excel aussi. Un petit peu à l'arrache, désolé, j'étais tranquillement devant le feu de cheminée ce soir. Je me suis dit mince, c'est peut-être que je lance mon live. On a combien de sauts à faire? Ok, 4. Allez, dès le prochain saut, si on trouve une station pour les ravitailler, on ira. Wilbo, ouais, je pense qu'on va peut-être trouver une station là-bas. T'as rien préparé non plus. Bah ok. La cheminée est une excuse valide. Ah j'ai pas ce jingle là par contre, j'ai que la blague valide seulement. Mais ouais c'est pas faux. Ok, pas de spatioport dans celui-là. Par contre, dans le prochain, il faudra absolument que je trouve un endroit où m'arrêter ravitailler. Frameshift drive charging. Anarchique. Pas dit qu'il y a quelque chose là-bas non plus. Hey, bonsoir Vilain Coco, bienvenue à toi, comment vas-tu? Viens ici, on va regarder ce que c'est le prochain système. Bonne sécurité, très bien, il doit y avoir un spatioport à cet endroit-là pour qu'on puisse ravitailler. Un système en essor économique, tout ça, cool. Alors pour l'instant, je fais la route vers Rivia, du coup, pour qu'on puisse prendre des missions de commerce. Et bonjour de vive voix. Bonsoir RP, comment vas-tu? Allô? Très, très très bien. Okay, et toi? Cool. Bah ça va bien, merci. J'espère que les deux FC, il y en a sur lequel je puisse ravitailler. Sinon je vais m'amuser à trouver du carburant. Ouais, t'es un peu juste. Bon, ça va aller. J'ai encore quoi faire un petit saut si besoin. Ah, je regardais pas. Je
Je regardais l'émission, j'ai une livraison, 5480 unités pour 13 500 000. Alors, pas mieux. Il vaudrait mieux. T'as pas des choses à aller chercher plutôt, ça rapporte plus en général. Bah, ça va être moins que 13 500 000. D'accord. Parce que 5 000, ça va être long. Hein. Surtout pour 13 millions, c'est pas énorme. Je vais regarder quand je vais arriver. C'est ça. Du coup, c'est bon, t'as eu le... t'es dans le groupe privé ? Oui. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si c'est du ravitaillement, mais je pense que ça devrait aller. Comment ça, denied? Ah, zut, ils prennent pas. Ah. Et ben, on va essayer le deuxième. Ce soir. Normalement, ils font du ravitaillement, eux. La serve est suspendue, le carburant. De toute façon, il était suspendu. Ok. Bon, sur le prochain, normalement, ça devrait aller. Je devrais récupérer du carburant. Bah, je te le souhaite. Bon, je confirme, j'ai rien d'intéressant. T'as rien d'intéressant pour l'instant? Ok. Ça. J'ai envoyé une demande d'escadrille. Et du coup, Istimi, il nous rejoint vers 21h, c'est ça? Ouais, il a dit 21h. Ok. Ok, eux ils nous permettent d'atterrir, donc c'est bien. Et ben enfin. Alors, je vais m'ouvrir mon fichier parce que j'ai oublié d'ouvrir aussi le fichier de commerce. J'espère que tu ne me mets pas là. Hop. Merci, tu me fais penser au Market Connector. Quoi ? Le Market Connector ? Je sais pas ce que c'est. C'est un genre d'add-on qui envoie les données de ton jeu à des sites comme Inara ou DDB. Ah d'accord, ok. Ça met à jour du coup la base de données de ces sites pour les autres joueurs en fait. Ok, d'accord. C'est vrai que moi Inara il est en automatique. Pas de carburant. Si c'est bon, c'était un lag. Ah, écoute, un petit peu cher le carburant, mais au moins il me permet de continuer ma route.
Alors, si je sélectionne ma destination, peut-être. Tu penses de ma nouvelle webcam sinon? J'ai pas eu beaucoup de retours en fait pour savoir ce que les gens pensaient. Ah bah moi j'aime bien. Bien aussi, cool. Ça permet de voir ton hôtesse. Oui. Alors, faut que j'accale un peu mieux que ça pour qu'on voit mieux le bureau. Parce que là pour l'instant elle est mise sur les écrans, mais faut que j'achète un truc pour la fixer quoi. Pas mal la nouvelle webcam, bah merci bien Coco. C'est vrai que ça change un peu et je trouve que c'est pas mal pour l'interface. Ouais, ça change et puis bah c'est pas commun de trouver des webcams rectangulaires comme ça. Ouais. Voilà, elle est juste tournée en fait, changé de sens la webcam, mais ouais. Ouais. Je faisais des tests en fait l'autre jour avec Keto, j'étais sur un, enfin je streamais avec lui pour qu'il me dise un peu ce qu'il en pense, et par hasard j'ai un peu essayé comme ça, j'ai fait tiens c'est pas mal ça. Et du coup j'ai commandé deux displays pour mettre derrière moi pour occuper un peu les murs par contre. Ok, petit à petit, ça se... ça se... Ouais, ça va se faire petit à petit, ouais. Ça se remplit, quoi. Ouais. J'arrive, hein. Ah, bah j'arrive pas tout de suite. T'as des choses dans tes soutes, toi? Non, même pas. C'est ça le pire. Enfin, normalement j'ai rien. Je vérifie quand même. Non, je suis vide. Bizarre. Ouais, bah j'aurais pu faire une soumission, il m'aurait scanné, il a fait ouais y'a rien, puis il se casse, mais je préfère les éviter. Simi a bien son cutter, elle est bien. Oui. Ouais, bon nickel. Ça permettra d'aller assez vite quand même sur l'émission. J'ai pas mis de musique, tiens. On va tenter de mettre Spotify en plus. Commander.
undetected. Tac. J'ai peut-être quelque chose. Apportez-nous 1944 cobalt pour 12 millions 7. Ouais, c'est pas mal ça, tu peux prendre. Enfin, attends deux secondes que je vérifie ce qu'il y a pas mieux, mais c'est pas mal sinon ça, pour une première. Bon bah c'est impeccable. Même avec Spotify, Discord et Elite, je perds pas d'image. J'ai de la chance d'avoir une bonne connexion 4G quand même. Ouais, c'est sûr. L'apportage automatique, c'est toujours pas ça. Hein. Moi aussi, je frotte sur le bord quand je rentre. Ok, je suis posé. Ça se peut que t'aies mieux parce que je suis pas à fond partout. Ah, j'ai pas la répute à fond avec tout le monde, mais j'ai bonne répute quand même. Des missions d'escadrille par contre. Alors ça c'est pas ouf. Alors non, pour l'instant c'est la tienne qui est la meilleure. Donc bah vas-y, prends-la et puis on va aller chercher ça. D'après les estimations, ça ferait du 6 millions en bénéfice. Ouais. Et c'était du cobalt hein, qu'il fallait. Ouais, 1944 cobalt. 1944, ouais, donc il va falloir en prendre un petit peu. Ok, on va prendre ça pour moi en plus. Et bonsoir, Steamy, bienvenue. Est-ce que tu te connectes maintenant ou ah pas? Ah merde, la mission est plus valide. Ah. Moi j'ai que les trucs qui sont vraiment pas ouf. Bah ça va, pour l'instant on est un petit peu en galère parce qu'avec RP on n'a pas de mission. Donc si tu veux te connecter éventuellement et nous dire si tu as mieux, je me prends parce que là c'est pas top. Là, c'est malin parce que du coup j'ai accepté le cobalt. Bon c'est pas grave. Je vais me la garder de côté au pire. Bonsoir. Salut Steamy, ça va? Coucou. Ça va et toi? Bah ça va bien, impeccable. Coucou RP. Vous faites coucou dans la pièce. Yo Bilan Croco. Il y a eu une mise à jour? Je sais pas. Faut faire la musique. Oui, mais 15 plombes à charger. 97, 98. Alors, j'ai deux nouvelles choses. J'ai 411 galites pour un monde million 2 ou 450 millions pour 5 millions. Ah, c'est pas ouf, hein. Non, même pas vilain croco. Non, c'est pas ouf. Alors, groupe privé, Yes, please. Non, tu vois, le vilain croco, je me suis pas fait charrier. Mais je l'ai vu arriver avec un grand sourire en mode, je te tiens. Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était drôle.
Parce que j'ai un collègue qui est passé sur mon live hier soir. Juste au moment où il y avait Katoys, on était en train de faire le con à dire de bleu. Et j'ai dit, oh, je vais m'amuser à dire ça au boulot maintenant, plutôt que de dire putain de merde ou des trucs comme ça. Et là, direct, je vois un message, bon, on va pouvoir se foutre de toi au boulot, allez à mardi. Super. Ah, oh, tiens. Alors, je suis à Euribia, je regarde l'émission. Ouais. Alors, transport. Rien. Eh ben, autant dire, ça commence bien aujourd'hui. Si, 35 millions. Apportez-nous 2205 unités de la marchandise réactif synthétique. Coût estimé 14 millions. Ah bah écoute, on prend. C'est l'heure qu'on a pour l'instant, donc. C'est pas mal. Oui, il faudrait que vous m'invitiez dans l'escadrille. C'est fait. Que je. D'accord. Ah, t'as dit des réactifs synthétiques ? Ouais. J'ai pas eu l'invitation. Ah, je sens, oui. Attends. On est à Euribia. Alors, pad L, on en veut 800. Bye. Je peux prendre la mission même si je suis pas dans l'escadrille pour l'instant. Oui. Je peux la prendre et la partager que plus tard. Ok. Je vais la prendre avant 15 heures. C'est pas une. Il t'a dit qu'il en fallait combien? Alors, je vais te redire ça. Il en fallait. Attends, 35 millions. Ok. 2205. Je t'ai renvoyé une amitié. Hein. Ok. Donc, j'ai pris ça déjà. Oui, prends-la. Je vais pas regarder les autres encore. Accepter l'invitation, ça y est. Ok. Alors, je vais pouvoir vous partager cette mission. Je regarde d'abord si j'en ai pas d'autres. Yes. Transport. Voilà. Pour 10 millions, 5600. Non, ça vaut le coup. Enfin, 5600 de protection réactive aussi. Mais là, c'est de la livraison. Ouais, c'est moins intéressant la livraison. Ouais. Que ça, c'est. Non, bah, j'avais que celle-là. Bah, écoute, on prend. Tu peux mettre combien toi dans ton cutter? 720. Et toi 246 c'est CRP hein. 236. Et bah on commence par aller à plein chacun, de toute façon ça fait que 1740 donc on va être obligé de faire rentrer deux fois. C'est où qu'on va du coup? Alors, tac, j'avais préparé. Je propose d'aller sur LFT 374 et d'aller sur Koi Refinery, c'est sur une planète. Alors, la planète, c'est celle-là, peut-être, je sais pas. Ok, je vais foutre ça en favori. Oui. Je risque de faire deux sauts pour le retour. Ça ira. Oui, c'est fait. Activez vos balises. Moi, c'est fait. C'est ton cours. Vaisseau. Je vais mettre de la musique parce que c'est tellement trop calme. Pas beaucoup ça. Ok, alors je suis pas en live donc je remets l'ordinateur d'avantage. Pas besoin de faire de pari.
Voilà, c'est ça. Décollage. You are clear of the station. Until next time, Commander. Février 02, établir itinéraire. Ah bah je fais deux sauts pour l'aller. Ça c'est bizarre. T'es en python toi, non c'est ça? Je suis en clipper. En clipper, d'accord. Ah oui, ma soute est pleine. Bon bah, demi-tour. Bon, ça se fait que bon alors, je suis à 403 322 733. On va voir combien je gagne ce soir. Hop. Et on verra pas les super atterrissages de Steamy. Je suis déception. Ah bah sinon, limite, je le suis puis on regarde. Hein. Ça peut être drôle. Bon, enfin, c'était l'avantage automatique. Mais t'as pas de bouclier. Voilà, t'as pas de bouclier en plus. Ah, moi j'ai pas de bouclier. La ponte. Ouais, rappelle-toi la dernière fois mon appontage automatique il t'a fait mal. Ah j'ai une poussière dans l'œil. Je sais pas pourquoi on dit une poussière. Bon, puis. Sinon, j'ai fini le film sur Assassin's Creed 2. Et en 24 heures, j'ai uploadé 50% de la vidéo. J'adore ma nouvelle connexion pour l'instant. Alors c'est qu'avant, ça m'aurait pris 2 heures. Il dure 2h35 le film. D'accord. Faut que je pense aller voir les autres. Mais en fait, il faudrait que. Regarde le premier Assassin's Creed avant alors. Ouais. T'avais pas la fibre avant? Non, mais j'avais un VDSL et j'étais à 400 mètres du NRA, donc c'était nickel. J'avais plus de 100 mégas, même sans fibre. Ah, ok. Ah, le VDSL, c'est trop bien. Ouais, sauf que là, je suis un peu loin du truc. Mais la fibre, elle est juste de l'autre côté de la rue. Hein. C'est... Il faut juste faire passer le dernier câble. Ça y est, les travaux sont prévus, non? J'ai envoyé la demande, après, au revoir. J'ai envoyé la demande, mais ils avaient dit 4 à 8 semaines, donc... Et j'ai pas encore été rappelé par les opérateurs, parce que normalement, c'est les opérateurs qui doivent me rappeler. Ça, c'est chiant, parce que ça veut dire que ça va traîner encore plus. Ah, puis si on repart en confinement, ça va retraîner encore plus. Hello, oui, c'est vrai. Oh bah dis donc, et l'espace d'un instant, j'avais complètement oublié le Covid. Ah bah, désolé. J'ai lancé le live, la vie était belle, tu vois. Tu m'as gâché mon bonheur. Mais c'est pas grave. Si tu veux changer les idées, c'est vendredi, Not for Broadcast épisode 2. Ah oui, je voulais mettre sur ton Discord, sache que je ne serai pas là. Ce sera peut-être des nouvelles chansons. Ah. Des nouvelles commandes pour moi, trop cool. Le « Hey, tu rigoles, mais c'est RP qui l'a plus en tête que moi. » Moi, maintenant, dès que je l'entends, je suis content. Je l'ai plus en tête après. Non, j'ai oublié ce que c'était. Oui, c'était... là, là, là. Je l'avais oublié. Je suppose que t'es pas sur le live, sinon je l'avais vite fait. Hein. Ah bah, je suis sur le live, mais j'ai pas le retour audio. Ouais, t'as pas le retour audio, évidemment. Voilà. Bah non, sinon RP, il a pas un casque. Et c'est extrêmement perturbant. Oui. Si, il a un casque. Mais il a pas le live. Non, sinon ça fait doublon. Je ne pourrais donc pas écouter la chanson. Quel dommage. N'est-ce pas? On va vérifier. Welcome to the Federal Port Commander. What's that all about? That's
where your hopes start to turn into despair. Mr. Bear, what's that over there? That's where your dreams go to die. Attention, j'arrive. J'ai quand même vachement hâte de voir l'intérieur du cutter quand on pourra se balader dedans. Je suis pas sûr qu'on pourra se balader dedans. Ah, ils ont pas modélisé les vaisseaux. Je crois pas. Enfin, je crois pas que ce soit. Peut-être pas pour au début en tout cas. Ah enfin, ouais, l'intérieur des vaisseaux il est modélisé parce que par contre en VR tu peux voir à l'intérieur du cutter. Enfin, de la cabine en tout cas. Ouais. Et tu vois que le. Ouais, la cabine. Et ça, même en changeant les caméras, du coup tu peux voir ouais, l'intérieur. Mais, parce que la sortie elle est trop classe en fait. Ça, quand tu déploies le train d'atterrissage, ça te met une échelle qui descend vers l'avant du vaisseau. Et bonsoir Chobi Choba, bienvenue à toi. Tu découvres Chobi, le jeu depuis quelques Choba. Jours. Plaisir de voir des streams FR. Et ben avec plaisir, nous ça fait 4 ans que je stream dessus quasiment. Vive la France. Et bienvenue à toi et merci pour ton follow d'il y a 3 jours. Je vois que tu étais encore le dernier follow. Qu'est-ce qu'on prend déjà, j'ai oublié. Marchand d'assurance, réactif synthétique. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est bon. Je remplis juste vite fait. Je me suis fait une petite frayeur. Mais t'avais pas mis le truc automatique pour éviter ça justement? Si, mais ça arrive tellement vite sur les stations que. Quand t'as les grandes tours là, direct au milieu, t'as l'impression que tu vas te la prendre dans la tronche. Ça t'arrête à 3 km de la station, t'es limite sur la tour. Quoi. D'accord. Pourquoi du cobalt? Pourquoi du cobalt? Parce que j'ai une mission en fait qui m'en demande. Donc, parce qu'au début, RP avait une mission pour ça. Et au final, bah du coup, on l'a pas pris. Mais du coup, moi, vu qu'il y avait une mission, je me suis dit, bah, j'en ai un peu aussi à prendre. T'as combien au total de capacité de soute? 784. D'accord. Ah, c'est marqué là. Tac, voilà, 748. Alors, il en fallait. 2205 et ça rapporte. Alors, les réactifs synthétiques. Ah oui, c'est vrai, vu que c'est ma mission, j'ai le petit symbole, ça c'est trop cool. Pas besoin de chercher. Tac. Et allez, je décolle. Je redécolle aussi, direction Euribia. En 2 sauts pour moi. C'est pas faire la même pour moi. Mais bienvenue à toi en tout cas, Chubichuba. Si tu as des questions sur le jeu, n'hésite pas. Voilà, là on voit un Steamy qui s'en va. On va le suivre du coup. Allez, bye bye. Marrant, c'est que comme ma connexion est pas top, j'ai vu ton vaisseau après avoir passé en super cause. Bah moi, je me suis vu partir sur ton live avant que ce soit parti chez moi. Parce que normalement, je suis censé partir en décalage. Ouais, puis avec ma connexion. Réalité ou illusion.
Bah, tu voyages dans le temps. Ah oui, merde, putain, c'est derrière la planète. Donc, faut que je m'en remette. Ok. Désolé pour la grande. Des questions pas encore, ou plutôt trop, mais il faut que je me fasse un peu les dents, genre. Eh ben, pas de problème. Bienvenue à toi, en tout cas. Ça va, t'es pas trop serré depuis que t'as mis ta caméra comme ça? Tu te sens pas écrasé? Non, moi ça me change rien. C'est... Mais je trouve ça bien en fait, cette webcam comme ça. J'aime beaucoup en fait. Essayé... C'est original. Ouais. J'ai essayé dimanche et ouais, c'est pas mal. C'est rare, ça change. Ouais, c'est ça. C'est... Ça fait pas comme tout le monde. Voilà. Je crois qu'il y a Benzaï qui a une caméra un peu comme ça aussi. Et ça fait surtout, enfin, ça fait surtout bien sur la vue, voilà, celle que moi j'appelle overlay, mais celle où il y a le planning ou mon écran pour les confs. Oui, c'est vrai, j'ai vu, ouais. Même si tant que j'ai une connexion comme ça, je pourrais pas faire de conf en direct. Ah oh bon. Et voilà. Donc j'aimerais bien avoir. À nouveau une bonne connexion avant la BlizzCon qui est en mars, je crois. Oh, ça devrait être bon là. Enfin, après, avec le confinement, on sait pas, mais je sais pas. Mais qu'entends-je ? Bah, en même temps, 4 à 8 semaines, 8 semaines ça fait fin mars. Hein. Qu'entends-je ? Bah, qui est à la BlizzCon, il me semble, début mars. Ah, hein. Bah oui. Non ? Bah, c'est possible. Ouais, ouais. Que. Même si c'est que en ligne, parce que tout ça. Vraiment, ouais, cette année. Bon, en tout cas, j'espère que tu vas te plaire sur le jeu Shobi. Parce qu'il est vraiment super. Allez, ça commence. Un pirate. Juste toi, bien. Oui. C'est quoi qui me poursuit? Un mamba. Ouh. Je trouve qu'il est assez compliqué au niveau évitement pour les interceptions, le cutter. Ah, il est vachement plus simple que le T9. J'y arrive pas. Ah oui ? Oui, enfin, je n'ai pas eu le T9. D'accord. Bah oui, on me l'a déconseillé depuis le début, donc à toi. Ah bah c'est un... Alors, tant que t'as pas le cutter dispo, il est quand même bien, mais... C'est un veau quoi, ça tourne pas facilement. Ouais. Et là je vois à chaque fois que je me fais intercepter, j'ai du mal quand même. Hein. Donc, du coup, pour l'instant tu restes sur une expérience un peu frustrante, mission de transport de passagers avec une quarantaine de sauts pour me crasher sur une planète d'arrivée. Ah mince. Aïe. Ça me rappelle moi hier. Ah non, c'était quand? C'était samedi. T'es planté sur une planète? Premier voyage. Je prends la mission, machin, j'arrive. Résultat, je suis en train de faire autre chose. C'est au moment où il fait la descente automatique là, que t'as plus ouais. Accès à la vitesse. En fait, j'ai laissé ma caméra comme ça et puis je regardais sur l'écran de gauche. Le problème, c'est que le nez a relevé un tout petit peu et j'ai. Oh, j'ai overshoot. Note pour plus tard, ne pas arriver à la verticale sur une planète. Ouais. Bon, ça arrivera avec l'expérience, mais. Et il faut surtout faire attention, c'est à la gravité. En fonction de la gravité, ce sera plus ou moins simple. C'est ça. Pour m'être déjà posé sur une planète à plus de 2G, c'est sport. Et bah là du coup ouais je suis parti. Alors du coup il m'a sorti la destination était derrière moi. Donc j'ai voulu faire demi-tour, sauf que j'ai tourné sur la gauche, mais j'ai piqué un peu trop du nez. Et au moment où j'ai redressé, je me suis dit oh j'ai l'impression que je suis en train de descendre. Pourquoi j'ai offert chute systématiquement à la station? C'est quoi ce délire? On aura peut-être la fin de l'histoire après. Ah, c'est ça.
Et non, bah en fait, bah, j'avais bien vu, j'ai complètement, je descendais beaucoup trop vite avec ouais. le poids du vaisseau et j'ai redressé le nez. J'aurais peut-être que si j'avais boosté, j'aurais pas heurté la planète. Mais bon, je me suis explosé comme une grosse crotte sur la planète. Et tout le monde était mort de rire parce que éjection, boum. Ouais. Au voilà. dernier voyage. Dernier voyage. Bah, et du coup, vu que c'était des missions de transport, bah, échec de la mission. Je sais pas combien de millions d'euros d'amende parce que j'ai pas fini la mission. 25 millions pour récupérer mon vaisseau. Enfin, je sais plus merci combien de rien. Au revoir, messieurs dames. Ouais, si, 25 millions, coup de rachat. Ouais. J'étais plus que dégoûté là quand même. Ouais, une soirée perdue. C'est ça. Et j'ai réussi à me refaire. Du coup, quand on a fait le live le lendemain avec Elfebon, j'étais à plus de 200 millions, 300 millions. Je suis redescendu en dessous de 300 avec toutes mes conneries du samedi. Là. Et le dimanche avec Elfebon, on a fait plus de 130 millions, je crois, parce que du coup, je suis à 403. Non, bah, tant mieux, c'est cool. Merci pour le flashback. Tu voles en quoi, du coup, Chubby? T'as quoi comme vaisseau actuellement? Putain, je suis à 116 km de la station, pourquoi il m'a sorti aussi loin? Tac, on va rendre ça déjà. Arrivé dans 5 minutes, chier. Ah, t'as le T9. T'as pris le T9 pour faire des missions cargo. T'as déjà un T9 ou... Bah, c'est bien. Ah, tu peux au moins tu peux mettre des choses dedans, quoi. Comment il l'a appelé, l'Orax, son cargo? Il l'a appelé Meu, un truc comme ça. Son T9. Ah, le T6, d'accord. Ah, j'ai jamais eu le T6. Ah si, j'ai eu un T6 ou... Non, c'est un T7 que j'avais, ou le T6, je m'en rappelle plus. Bon, j'ai pas d'autres missions pour moi. Attendre que vous arriviez, qu'on calcule comment... On voit comment on fait. Je dirais ça dans 100 000 ans, quand je serai arrivé. J'ai pas entendu RP. Pardon, je disais, je suis à 20 SL, bah maintenant 10. D'accord. km/h. Mais oui, le T6, c'est un que j'ai jamais eu. Ça rapporte rien à l'émission. On a été longtemps avec RP avant d'avoir des bonnes missions. Et là, dimanche soir, j'en avais une à 50 millions, j'ai pas pu la prendre, du coup, ça m'a un peu ennuyé. Comment ça se fait qu'il m'a sorti aussi loin? C'est chiant. Ah, parce que t'as pas refait un... Tu t'es pas remis en supercruise? Bah si. Et du coup, je me suis rebarré, mais ça m'a mis à 110 km. Donc du coup, je suis à 60, là. J'arrête pas de booster comme un bourrin depuis tout à l'heure, là. Ok. Ce qu'il faut, c'est que je fasse revenir mon piton aussi, parce qu'il va falloir que je mine prochainement. Ah, faudra que je vois ça du coup. Ouais, minage. Pour débloquer ces engins, en fait, il faut miner 500 tonnes de matériaux. Et il faut lui amener 10 tonnes de panite que tu es obligé de miner aussi. Donc. D'accord. Il faudra que je fasse un live minage. Ok, bah ça m'intéresse du coup. Ils ont fait exprès pour qu'on touche un peu à tout? Oui. Enfin, clairement, si tu veux débloquer tous les ingénieurs, t'es obligé de toucher un peu à tout. Je trouve ça bien. Bon, ça me dérange pas de farmer les choses, moi, donc.
Mais bon. Donc, ouais, de toute façon. Alors, j'ai pas encore débloqué ces jambes parce qu'il faut que je monte avec McQueen avant. C'est avec McQueen, je suis à combien là? Ah, bah, j'ai pas commencé à travailler avec lui. J'ai juste débloqué pour pouvoir avoir accès à ces jambes. Mais c'est pas trop dur. km. Voilà, j'ai livré. Ok. Mais est-ce que vous avez des missions? On a deux allers-retours chacun à faire ou pas? Je... Alors, je pense que un ou deux doivent faire un aller-retour et ça complétera. Donc c'est pour ça que si on avait une autre mission, ça parle. À faire. D'accord. Je vais regarder ce que j'ai dès que j'arrive. Je suis à 20 km. Oh oui, jackpot. Ah, t'as quoi? Nous avons besoin de 129 unités de je ne sais quoi pour 50 millions. 129? Et nous avons besoin 729. 729, ok. C'est... voilà. Et 1424 je ne sais quoi pour 41 millions. Eh ben, prends les deux. Très bien. 10 km. 50 millions, c'est palladium. Ah, alors par contre, le palladium va falloir se partager parce que ça coûte super cher. 35 ouais. millions. L'investissement, 35 millions, c'est ça? 36 millions, ouais, sur 50. Ok. Et l'autre, c'est de la galite. 16 millions pour 41 millions. Et combien il en faut de galite? 1424. Elle est très bien celle-là. Ouais. Et t'as dit le palladium combien? Excuse-moi, je... 36 millions pour 729. 729. Bah, il faudrait en gros qu'il y en ait un de nous qui aille refaire le dernier run sur celle-là. Celle qu'on a commencé. Donc que soit Stimmy, soit moi. Et 729, normalement, vous devriez pouvoir les... on doit pouvoir les prendre à deux. Au pire, on se les partage à 3, comme ça, niveau frais, c'est vraiment... faudra diviser par 3. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on fasse un aller-retour pour terminer celle qu'on a en cours, donc... Ouais, bah ça, je vais le faire, à la limite. Eh ben, écoute, moi, je vais prendre la moitié... Enfin, je vais prendre le palladium qui manque, et puis comme ça... Avec RP, on va aller chercher le palladium. D'accord. Ok, je partage le palladium. Bah, toi, tu vas prendre ce que tu peux, puis moi, je vais prendre le reste. En fait, parce que... Heureusement que j'ai un bouclier parce que l'appontage automatique qui m'a explosé contre l'entrée là. Et salut Timo B, bienvenue à toi, comment vas-tu? Alors, palladium. Il va falloir le trouver par contre le palladium. Salut Timo. Ah c'est celle où on va avoir un peu de route pour le trouver. Il faut aller sur le système Chons sur Zolinport. RP, je sais pas si t'as vu. Ouais, ok, merci. Par contre, c'est 44 000 aisselles, hein, donc. Ça va juste être ça le problème. Ah ouais? Ouais. Mais. Oh bah, j'ai déjà fait. T'inquiète. Ouais, ouais, moi aussi, c'est juste ça. Prend... C'est juste en live. Ça... Pire. En live, ça prend un peu de temps, quoi, c'est juste ça. Allez. J'ai pris une mission l'autre coup avec RP, on a tapé 250 000 essais à chaque fois. 226 000. On va passer la soirée dessus jusqu'à 1h30, 2h. Ça va? Eh bah écoute, tant mieux. Ouais, tu fais la dernière. Vas-y. J'ai pas entendu ce que ça dit. Ah oui, livré. D'accord, je viens d'arriver à la station. J'ai 4 sous pour y arriver. J'ai pas regardé combien j'en avais, tiens. Attends. Palladium, on a dit 729. Ça, ça va coûter cher. Et rapporte 50 millions.
On y va à deux, ça fait 18 millions environ de coups. Alors toi ça fera un peu moins et moi un peu plus, mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai que... Parce que toi tu peux en... Ah bah oui, en fait, beaucoup, en fait. Ouais. Bah beaucoup moins pour moi en fait. Bah c'est pas grave, ça te permettra de faire des crédits. Ce serait pas loin, j'aurais fait deux sauts. Ouais, non, t'inquiète. J'ai 2 milliards 6. Hein. Tout ça parce que tu veux pas que tu... Ça fait des crédits? Bah ouais, ça fait des crédits ce soir, en effet. C'est le but. Je suis toujours sur la... Road to the Fleet Carrier. La route vers le Fleet Carrier. Et du coup, j'ai passé la moitié là, donc. GG, je sais pas, le truc. Bravo, mais voilà quoi. Ouais. Ah, bravo! Mais voilà, c'est. Alors, c'est quoi cette icône, Japoneva? Force! Ah, merci, ok. Stimmy, t'as pas accepté ma mission. Ah, si. Bah c'est sympa. J'ai pas accepté. Oh, je te vois pas dedans. Oh, bah là, faut que tu me la renvoies. J'ai plus. Il a fait refuser à tous les coups. Ça se pourrait. Le roi du misclic, c'est moi. Putain, le pire, c'est que ça m'arrive de faire des portes de ce genre-là au boulot. Ah, ça c'est plus embêtant. À chaque fois, je perds du... Ah oui, j'avais mis refusé. Désolé, une porte. Okay. Perdre du temps, on est en train de faire l'inventaire là. On est en train de procéder à l'inventaire du matériel des chambres, là, au niveau informatique. Et le premier service qu'on a fait, j'ai inversé toutes les chambres. Du coup, j'ai été obligé de rechanger plein de trucs, j'ai perdu un temps fou. Ça ne sert à rien. Le défaut d'inattention, en fait, c'est pas des trucs dramatiques, mais c'est après, pareil, quand on l'a rentré dans notre logiciel de gestion, en fait, bah... Tu t'es dit oups. Dans le groupe technique, moi j'ai mis les tâches. Mon chef il me dit mais c'est pas les tâches qu'il faut mettre, c'est nous qui entretenons le matériel. Ah bah oui. Du coup obligé de refaire, heureusement qu'il y en avait que 7, mais obligé de refaire tous les trucs pour changer de groupe. Voilà, que des trucs comme ça. Je perds un temps phénoménal avec mes conneries. Ça rentrera, hein. Je pense c'est le temps que ça devienne une routine. Ça fait déjà un an, faudrait que ça devienne plus vite une routine que ça, mais... Oh bah c'est des choses rigolotes, ça. Oui, voilà. Tant que je fous pas le feu à la salle serveur, c'est bon. J'ai pas le droit d'y aller de toute façon, donc comme ça... Peut-être pour ça qu'il me donne pas de compte admin. Non, lui, il fait trop de conneries. Bon, puis moi c'est parti pour 44 000 SL. Je peux pas encore arriver dans le voyage. Et figure-toi que je vais même pas avoir assez de carburant. Ah oh ? Ah merde. Ouais. J'essaie d'en prendre. Bah, moi j'ai plus la super navigation assistée parce que j'ai mis un récupérateur de carburant à la place. J'en ai pas. Parce qu'à chaque fois que je me déplace, je me fais avoir, Non, j'ai dit, il me faut un récupérateur. Je me fais avoir systématiquement. À chaque fois, je l'enlève et je remets l'ordinateur, enfin, la super navigation assistée. Mais je pense jamais à le remettre quand j'ai beaucoup de routes à faire. Et du coup, c'est quand j'ai plus de carburant. Oh, j'ai un récupérateur, j'espère. Ah bah non, je l'ai pas. Échec. Échec critique. Ouais. Heureusement que j'arrive à trouver
une station à proximité à chaque fois. Hein. Ça, c'est parce qu'on est dans la pub. Hein, mais oui. Pas, hein. Tu vous laisses faire une partie, tu repasseras. Eh ben, bonne soirée à toi, Chubby Chuba, bien. Et merci encore pour le salut, follow. Salut Chubby. Amuse-toi bien. Je viens de manger, mais j'ai faim. Je suis un estomac sur patch, j'ai tout en faim. C'est parti les 44 mines. Ouais, c'est pas faux. Je suis bien content de faire les protections réactives. Ou les... je sais pas comment ça s'appelle. Ah mais c'est clair, tu vas avoir fini avant nous là, mais c'est pas grave. Tu vas commencer la galite, hein, toi. À part si t'as une autre mission ouais. Qui tombe, qui est mieux. Allô, oui, j'ai pas regardé tout à l'heure. Ah bah bravo. Il peut pas commencer la galite, faut qu'il s'enlève de celle qu'on fait. Ah, il peut quand même aller en chercher. Hein. Si, je peux prendre des missions, je les partage oui, c'est vrai. Par une, mais... Ouais. J'en reprends 720, hein. Bah, non, tu prends ce qui manque. Bah, je prends 720, de toute façon, il est... S'ils en demandent, c'est qu'ils veulent en acheter. Je leur vendrai au marché, au pire. J'ai dit une connerie par contre. J'ai mal calculé mon truc moi. Non, si c'est bon, j'en ai dit. Bon. Il en fallait moins que ça, hein. Il en fallait 500 et quelques. T'en aurais pas voulu parce que j'ai fait que 3000 essais. Ah ouais, non, tu parlais de la première. Ouais, je parlais de la mission, l'autre mission. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Des conneries. Ça change. Pour une fois que c'est pas moi. Peur. Ça marche pas. Non. Merde. Je ne suis pas keto. Ah bon? Il a peur pour. Il sursaute beaucoup, ouais. Il a mis un clip sur son Discord cette semaine. Et il a eu peur sur Cyberpunk. Il y a un mec qui est sorti en fait et il s'est cassé la gueule sur un décor. Mais il a fait un petit. Ah! Il est bien se casser la gueule sur Cyberpunk. Ah, c'est le PNJ qui s'est cassé la gueule. Voiture. Mais... Ah oui, d'accord. Voilà, ou s'il est pris de panique, il quitte la partie sans sauvegarder. Oui, voilà, alors ça, c'était épique. Ouais. J'ai surtout adoré la tête, comment il est resté buggé pendant au moins 10 secondes en mode attends, j'ai cliqué sur quoi là? Ah, ça craquait tout. Bon, il est-il passé affilié? Non, il faut qu'il ait ses... Il lui manque les 3 de moyenne. 3 visites. Ah là là. Mais il pas et chez Katoys, on a fait l'inverse la dernière fois. Il a eu 10 viewers sur le live, mais il a que 22 follow. Ah.
C'est demain son prochain live à Keto. Ouais, il doit faire demain et sans doute. Et après-demain, de toute façon, parce qu'après-demain, on fait ensemble. Donc, D'accord. Continue de Forest. Mais je sais pas ce qu'il fait demain. Moi, je peux les voir rapidement. C'est ça, bon, à partir de la semaine prochaine, en fait, je vais mettre vos streams sur mon agenda. Ah ouais, il fait du cyberpunk. De l'adresse. Ah, ça va être drôle. Ouais. Il a toujours pas fini à 100%. Ah, mais il farme les 100% là, non? Bah, c'est parce que lui, il fait toujours tout le secondaire avant de commencer la quête principale, donc. Mais ça, il fait ça sur tous ses jeux, donc. Enfin, je dis ça, mais je fais toujours le secondaire d'abord. Oui, bah ça permet en fait de monter son expérience et après la principale, ça se fait tout seul. Bah. Voilà. Tiens, par contre, fait par rapport au planning, tu sais qu'on est que semaine 4 là. Oui. Je sais pas, t'as mis semaine 5 dans ton planning. Ah bon? Ah, bah j'ai pas cliqué sur le bonjour. Parce qu'en fait, c'est une macro, je clique sur le lundi de la semaine en cours et. Mais déjà la semaine dernière, je me suis posé la question, enfin, j'ai l'impression d'avoir déjà un décalage. Ah bah c'est possible hein, parce que je clique sur celui d'en dessous à chaque fois. Donc ouais, il va falloir que je rectifie ça. Merci de me le dire. Ah, de rien. C'est parce que j'y pense du coup, vu qu'on parle planning. Allez, j'arrive. C'est pas mon modo qui fera attention à ça. Hein. Lequel? Bah, les trois. Analyse détectée. Bah, analyse tout ce que tu veux. Écoute. Si je faisais ça, j'aurais plus le bah, temps si de jouer. Si on est le 26. Ah, mais ce gars sur un calendrier, on est que semaine 4. Ah ouais? Bah là, du coup, sur GDoc, enfin sur le calendrier Google, pour lui, c'est semaine 6. 5. Ah, mais c'est parce qu'il compte les semaines. Ouais, 5. Semaine 6, il aurait quand même vachement d'avance. Il a compté la semaine 53 comme la semaine 1. Bah, ou la deuxième partie de la semaine 53, ouais. À mon avis, il part du 1er janvier. Oh le coup! Ah! Ah, il faudrait que je vois comment je rectifie ça du coup, parce que là c'est un truc automatique donc. J'ai bien sélectionné le lundi 21 janvier 2021. Ouais, c'est ça, il a compté le 1, 2, 3 janvier comme semaine 1. D'accord. Du coup, le 4 janvier c'est semaine 2. Logique quoi. Bah ouais. Et l'agenda Microsoft il dit quoi alors? Ah, j'ai pas les jours de la semaine. Il dit qu'on est en 2015. Moi je sais qu'ils sont à la ramasse mais à ce point là. Hein. Bien sûr, je clique sur un truc qui met septembre 2020. Ouais, tu vois qu'il y a eu du retard. Ah